Normand Franck, étudiant en développement d'applications mobiles Flutter. Pour la journée d'aujourd'hui, on a eu à reproduire une interface. On montrait la vue, nous, on devait être capable de pouvoir reproduire ça. Donc, on avait deux pages à reproduire et j'ai fini les deux pages. Je pense bien que cela m'a appris beaucoup. Vu tout ce que j'ai fait, je viens de voir que vraiment le niveau est déjà là. Développeur web Python. Aujourd'hui, pour la pattern, nous avons dynamisé le template. Pour pouvoir dynamiser ce template, nous avons d'abord analysé. Nous avons aussi créé les différents modèles pour la base de données. Et aussi, nous avons créé les différents vues pour pouvoir passer d'une page à une autre. Nous avons aussi fait quelques refages pour les URL. Et enfin, nous avons dynamisé la page. Je suis Adams Emmy Désiré, étudiant en développement d'applications JavaScript. Aujourd'hui, pour la battle, nous avons eu à intégrer une maquette récupérée depuis la plateforme Dribbble. Pour réaliser la maquette, ça m'a amené à encore travailler mes connaissances en HTML et CSS pour pouvoir intégrer au mieux la maquette qui a été donnée, parce que c'était pas évident de pouvoir totalement reproduire exactement ce qui avait été donné. Et donc, je suis content pour cette journée, pour ce qu'on a fait. Akutoyo Félix, étudiant en développement d'applications front-end. Aujourd'hui, j'essaie de reproduire un site complet, partant de l'antenne jusqu'au pied de page. Dans mon travail, j'ai dû appliquer tout ce que mes parrains, mes encadrants m'ont enseigné durant les premiers mois de formation. Il y a eu quelques petites difficultés, mais j'ai réussi à terminer le site sans avoir de liquidité. D'abord, nous allons passer à l'analyse du template pour faire sortir les différents modèles pour la dynamisation. Nous allons créer un modèle banner qui va comporter les différents champs. Un champ titre et une image. Et ici, nous allons créer un autre modèle appelé about avec les différents champs titre, une description et une autre image. Nous allons créer encore un autre modèle appelé service qui va contenir d'abord une image, les différentes catégories et un titre. Nous allons descendre aussi ici le témoignage. Nous allons créer un champ, un modèle témoignage qui va contenir une description et une image. Et un autre modèle appelé website qui va contenir toutes les petites informations du site, telles que les réseaux sociaux, le contact, la créativité, le nom du site, le studio et les contacts. Dans le blog, nous allons créer aussi un modèle blog qui sera relié directement. Non, nous allons créer un modèle service qui va contenir une image. Aujourd'hui, on se retrouve pour la reproduction d'une capture, c'est-à-dire de faire un site complet avec un header, un body, un pied de page. Donc pour cela, on va commencer à créer un dossier, fichier index.html. Ensuite, créer un autre fichier, style.css. Une fois que cela est fait, on va paramétrer notre document. J'ai utilisé un raccourci qui me permet de générer automatiquement les balises dont j'aurai besoin. Un truc à ne pas oublier, il faut toujours bien indenter son code pour qu'il n'y ait pas d'erreur à la reproduction. Comme nous le voyons, nous allons commencer par cette partie qui est le header. Pour le batteur d'aujourd'hui, on nous a demandé de reproduire l'interface qui est là. Donc pour ce faire, je vais venir sur mon projet ici. C'est le projet qui est là. Je vais créer un nouveau fichier. Donc j'ai déjà créé le nouveau fichier. Je vais importer le matériel de date. Donc je fais import le matériel. Voilà, le matériel de date importé. Donc je vais créer ma classe. Donc je donne le nom de ma classe. Voilà. Je donne le nom de mon choix.
j'ai déjà donné le nom de mon choix. Maintenant, voici ce que ça donne lorsque j'exécute. Ce que ça donne. Donc, j'aurai besoin d'importer des images dans un fichier nommé pepspec.yaml. Donc, je viens là, voici le fichier. Voilà. Il y a déjà une des images dedans. Mon projet sur la table consiste à reproduire cette page. Donc, je vais commencer d'abord par initialiser le projet avec les différents dossiers, les différents documents. Et voilà, les documents vides. Plutôt la page vierge, et je dois essayer de reproduire cette page sur celle-là.